Qui que vous soyez, soyez les bienvenus dans ce temple. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous invoquons le Seigneur notre Dieu. Éternel notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Ô Éternel notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Amen. Je vous invite à chanter la louange de Dieu avec le psaume 133, numéro 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle », les deux premières strophes, donc du numéro 33. Vous asseoir. L'Évangile nous dit qu'on amena un jour à Jésus des petits-enfants pour qu'il leur impose les mains, mais les disciples reprenaient ceux qui les amenaient, et Jésus, voyant cela, fut indigné et il leur dit : Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et je vous le dis en vérité, dit Jésus, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et il les bénit en leur imposant les mains. Nous prions Dieu. Seigneur, merci de nous réunir ici en ta présence. Donne-nous la simplicité des enfants qui se savent aimés par leurs parents. Donne-nous la simplicité des enfants qui savent qu'ils ont à apprendre. Donne-nous la simplicité des enfants qui peuvent se sentir en confiance, car nous savons que tu es notre Père dans les cieux et que tu nous donneras toujours tout ce qu'il nous faut. Donne-nous, Seigneur, l'humilité et la tendresse. Donne-nous l'humilité de savoir que nous sommes imparfaits et pécheurs, mais que toi, tu nous recevras toujours et que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Ô notre Dieu, viens toi-même nous recevoir malgré notre imperfection, et rappelle-nous ta grâce inconditionnelle. Amen.
Mais nous dit le Seigneur, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, et parce que je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. Aussi, nous pouvons fonder notre assurance sur cette bonne nouvelle, qui est que Dieu nous pardonne en Jésus-Christ et nous conserve toujours dans sa grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour ce don ineffable. Vous pouvez vous asseoir. Et nous avons maintenant le plaisir d'accueillir dans la communauté chrétienne la petite Victoire Momeja, dont les parents Arnaud et Amandine ont voulu qu'elle reçoive le signe de la grâce de Dieu parmi nous dans cette assemblée que nous formons. J'invite donc Arnaud et Amandine à venir avec leur petite Victoire, avec les parrains marraines qui lui ont choisi, Ludovic et Marie-Louise, et puis leurs trois enfants, donc Louis, Clémence et Émilie, sont bienvenus aussi, bien sûr. Oui. Oui. Alors, Arnaud et Amandine, donc ceux qui viennent surtout les jours des dimanches de catéchisme, vous les connaissez bien, puisque leurs enfants, donc Louis, le plus grand, et puis Clémence et Émilie, fréquentent nos groupes de catéchisme et d'école biblique aussi au temple. Alors Louis, Clémence et Émilie, vous avez été baptisés étant petits au temple du Saint-Esprit, et puis aujourd'hui, eh bien, vous êtes ici à l'Étoile avec d'autres de vos cousins ou familles, et vous y êtes les bienvenus. Vous avez voulu que Victoire reçoive le baptême, et nous donnons aussi le baptême en dehors du culte, il y aura un baptême tout à l'heure d'ailleurs, après le culte, mais vous avez tenu à ce que ce soit pendant le culte, pour marquer en particulier la dimension communautaire, c'est-à-dire le fait que Victoire est reçue dans la communauté chrétienne. Cette communauté, bien sûr, s'entend au sens large, puisque Arnaud, vous êtes déjà issu d'un mariage mixte, et puis Amandine est catholique et pratiquante, et donc vos enfants ont, je dirais, la double nationalité, ils sont à la fois protestants et catholiques, en tout cas, ils sont bienvenus partout, et simplement, aujourd'hui, on dit à Victoire qu'elle est bienvenue dans l'Église, parce que ce lieu est un lieu où vous vous sentez bien, et j'en suis heureux. Mais cet accueil n'est pas exclusivement dans la paroisse de l'Étoile, cet accueil est dans toutes les paroisses du monde, de toutes les confessions et de tous les lieux. Vous avez voulu donner un sens plus particulier à ce moment par un texte qui vous est cher, et je laisse aux parrains le soin de le lire. Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvaient pas de bonne terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit, un 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Merci. Cette parabole est belle, en effet, puisque tout ce que vous pouvez faire pour vos enfants, c'est de semer, c'est-à-dire de leur donner. Et ce baptême est cette graine que vous offrez à Victoire pour dire que vous lui offrez un commencement, une possibilité de connaître Jésus-Christ. Et votre souhait, c'est donc cette connaissance du Christ que vous lui donnerez petit à petit, puisse devenir chez elle une plante qui produise beaucoup de fruits, afin qu'elle puisse être elle-même comblée de tous ces dons que nous lui souhaitons, d'espérance, de confiance, de joie et de paix,
et aussi qu'elle en ait elle-même à redonner au monde au centuple. Et c'est là, en effet, bien ce que nous pouvons souhaiter. Ainsi donc, Arnaud et Amandine, votre petite victoire par son baptême sera chez elle dans la communauté chrétienne. Elle est sa famille spirituelle et aucune contrainte ne l'y retiendra. Et si jamais elle venait un jour à s'en séparer, sa place y restera toujours marquée. Pour répondre à la bonté de Dieu qui la reçoit dans son alliance, vous resterez pour elle un exemple et un appui. Vous prierez pour elle, vous l'instruirez, vous la soutiendrez, afin qu'elle parvienne elle-même à la foi et qu'elle réponde un jour en toute liberté à la grâce attestée par son baptême et qu'elle prenne part, si elle le veut, à la vie de l'Église. C'est là votre vocation, qu'elle soit aussi votre joie. Merci. Frères et sœurs, nous sommes tous témoins de ce moment. Je vous invite à vous lever. En demandant le baptême de votre fille, vous avez exprimé votre désir qu'elle reçoive le signe de la grâce de Dieu. Confirmez-vous ce désir devant l'Église. Oui. Vous êtes donc ses répondants. Victoire, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu t'accompagne sur ta route et qu'il éclaire jour après jour de sa présence et de son amour. Oui, ne crains rien, petit... Ne crains rien, petite victoire, car, dit Dieu, je t'ai libéré, je t'ai appelé par ton nom. Merci. Tu es à moi. Victoire, Dieu t'aime dès ta naissance. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'est cet amour, car il te précède. Mais notre vœu est que tu découvres un jour cet amour qui marche à tes côtés et que tu puisses à ton tour aimer Dieu comme un père. Et vous avez choisi pour victoire... Donc un parrain et une marraine qui sont ici même Ludovic et Marie-Louise. Vous êtes parrain et marraine, c'est-à-dire que vous êtes signe de cet amour inconditionnel. Donc ce qu'on vous demande, c'est simplement de donner à Victoire de l'affection, de l'attention et de l'amour. Et ce sera déjà le plus beau cadeau que vous puissiez lui offrir. Et également, le baptême est aussi la fête de la transmission. Et donc ce qui vous est demandé, c'est de transmettre à Victoire toutes les qualités morales, humaines ou spirituelles que Arnaud et Amandine connaissent, puisqu'ils vous ont choisi, afin que Victoire soit au bénéfice de tout ce que lui transmettront les uns et les autres. Eh bien, cher Arnaud, Amandine, et Ludovic et Marie-Louise, allez sur votre chemin avec cette petite victoire qui vous est confiée, avec Louis, Clémence et Émilie. Que Dieu vous accompagne sur votre route, qu'il vous donne de marcher avec vos enfants dans la tendresse, dans l'intelligence, dans la patience et dans l'amour. Et quant à nous, eh bien, nous allons chanter pour vous, comme il se doit, la première strophe de « Seigneur dirige et sanctifie ». C'est le numéro 2309, 2309, la première strophe. Et allez dans la grâce, dans la paix et dans la joie du Seigneur.
Vous pouvez vous asseoir. Et nous terminons aujourd'hui notre cycle sur les paraboles scandaleuses ou difficiles de l'Évangile. Celle de, effectivement, d'Arnaud et Amandine sur le semeur n'était pas scandaleuse, donc heureusement que vous êtes là pour nous donner des paraboles quand même un petit peu agréables de temps en temps, parce que celle que je vais vous donner aujourd'hui n'est pas très agréable. Elle se finit mal en tout cas. C'est la parabole des noces dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. Le royaume des cieux, dit Jésus, est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya son armée et fit périr ses meurtriers et il brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir d'habit de noces ?» Mais cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. » Chantons un petit cantique rafraîchissant, le numéro 4605. 4605, un vieux cantique des écoles du dimanche. « Mon sauveur, je voudrais être une fleur de tes parvis. » 4605, les trois premières strophes, les trois strophes en fait. Je vous invite à vous lever. Thank you.
Donc cette parabole des noces est bien difficile. On y trouve des gens égorgés. On voit Dieu qui invite, puisque c'est lui le maître bien sûr, et qui à la fin s'en prend au pauvre gars qui n'avait pas de smoking à se mettre et qui finalement le jette dehors comme un malpropre. Toute cette parabole est complexe et il n'y a pas une explication, mais il y en a mille. Comme vous n'avez pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous en donner mille, mais je vais vous donner un petit bouquet quand même d'explications plus ou moins intéressantes. La première, c'est celle que vous trouverez dans tous les commentaires bibliques d'aujourd'hui. Je commence par là parce qu'à mon avis, c'est la moins intéressante. C'est la lecture historique qui dit, en fait, c'est une parabole qui a été écrite dans le contexte au moment où les païens ont commencé à entrer dans l'Église. C'est-à-dire que les premiers invités, ce sont les Juifs, et que puisque les Juifs ne veulent pas rentrer dans l'économie du salut de l'Évangile, eh bien Dieu dit, ben tant pis, puisque ceux pour qui elle était préparée n'en veulent pas, eh bien qu'ils aillent se faire voir, et j'ouvre la porte aux païens, c'est-à-dire aux autres. Alors c'est très intéressant, mais ça n'a aucun intérêt pour nous, parce que d'abord, moi je ne suis pas juif, je ne me sens pas très concerné, et puis de toute manière, ça ne me semble pas une bonne idée de faire une parabole pour dire du mal des Juifs. Alors, la deuxième lecture, un petit peu moins sotte, mais qui m'agace un peu plus, c'est la lecture sociale qu'on en faisait dans les années 70, à un moment donné où on pensait que l'Évangile devait nous donner des leçons de politique. Et vous allez voir que ça pourrait s'adapter à aujourd'hui d'une façon assez troublante. Mais une fois de plus, je ne revendique pas cette explication. L'idée, c'est de dire que le roi qui invite représente en fait la loi d'un pays, c'est-à-dire la base d'une société, et que la société propose aux autres étrangers de venir, mais que si celui qui vient refuse la loi, eh bien, il est condamné aux ténèbres et à la solitude du dehors. Autrement dit, dans cette parabole, il n'y a pas d'examen d'accès, si vous voulez. Tout le monde est invité, bon ou mauvais, dit le texte, mais encore faut-il respecter les modes de vie, et je dirais, c'est pour ça que ça touche de très près nos problèmes aujourd'hui, respecter le mode d'habillement du pays dans lequel on se trouve. C'est ça l'habit de noces, respecter les codes, et si on ne respecte pas les codes de la société dans laquelle on entre, on s'exclut soi-même, parce qu'on ne peut pas profiter d'une société sans en respecter les codes. Tout est offert a priori, chacun est bienvenu dans la société, mais il y a des règles, il y a des normes sociales, sinon on s'exclut soi-même. Et à ce moment-là, si on s'exclut soi-même, Dieu détruit la ville, ce qui veut dire que si on veut suivre uniquement sa propre volonté, eh bien on ne peut pas faire de société si chacun veut faire sa propre volonté dans son coin. Je vous ai dit, je pense que c'est prendre la Bible complètement d'une façon traîtresse, parce que je ne pense pas que l'Évangile ait anticipé le problème de la burqa en France, ni le problème de l'immigration, de quoi que ce soit. Donc je pense que c'est vraiment instrumentaliser la Bible d'une façon malhonnête, si ce n'est que bon, ça permet au moins de réfléchir là-dessus, mais en tout cas, j'aurais mieux fait de ne pas vous dire cette solution qui pourtant a eu beaucoup d'importance à une époque. Je remonte encore une autre explication qui est celle des pères de l'Église. Une lecture ecclésiologique cette fois, vous voyez, ça va loin, c'est-à-dire sur l'Église. Et eux disaient, voilà, Dieu veut réunir son Église autour du Christ qui est l'époux. Et donc qui veut en faire partie? A priori, l'idée de Dieu, ce serait plutôt de dire, ben, on va faire une Église avec tous ceux qui sont bons, tous ceux qui sont justes, tous ceux qui sont purs, tous ceux qui ont la foi. Le problème, c'est qu'on manque un peu de personnel qui répondent à ces critères. Et donc, finalement, dans l'Église, il accueille tout le monde, bon ou mauvais. Et donc, faire partie de l'Église n'est plus une question de niveau suffisant de perfection, de foi ou d'œuvre, mais simplement se sentir appelé pour faire partie de l'Église. Et dès le moment que vous vous sentez appelé, l'Église vous dit « venez ». Dès le moment que vous acceptez de venir, vous êtes bienvenu. Et donc c'est ça la grande idée des pères de l'Église, c'est en particulier saint Augustin qui a dit « L'Église,
est, saint Augustin parlait latin, un corpus per mixtum, c'est-à-dire un corps mélangé, et qu'on ne peut pas dans l'Église faire une communauté de purs. Mais forcément, il y a dans l'Église des bons et des mauvais. Ça, nous le revendiquons aujourd'hui, contrairement à certaines églises de type évangélique, qui disent, font partie de l'Église ceux qui pratiquent, ceux qui ont la bonne pratique, ceux qui viennent à l'Église, ceux qui confessent Jésus-Christ. Et nous confessons, nous, que notre Église, elle est ouverte à tous, bons ou mauvais, bons pratiquants, mauvais pratiquants, bons chrétiens, mauvais chrétiens, quiconque simplement accepte de venir ou d'être à l'écoute de la parole de l'Église, eh bien, est bienvenu dans cette Église. Mais je reprends, là je me prêche moi-même, je reprends les pères de l'Église qui, eux, disaient ensuite, la condition pour y rester, c'est de revêtir l'habit de noces. Alors là, vous voyez où les pères de l'Église ont voulu en venir. Ils ont dit, cet habit de noces, c'est le vêtement blanc du baptême. Et que finalement, ce baptême est offert, et que pour rester dans l'Église, il faut revêtir le vêtement du baptême qui nous incorpore d'une façon durable dans l'Église. Alors nous avons tout à l'heure baptisé la petite Victoire et nous avons dit qu'elle était bienvenue dans l'Église et elle a le beau vêtement blanc, tout va bien. Cela dit, nous relativisons, nous, les gestes et nous disons que ce n'est pas parce qu'on est baptisé ou qu'on n'est pas baptisé qu'on sera bienvenu ou pas dans l'Église. L'important, c'est la démarche du cœur, c'est-à-dire, à un moment donné, d'accepter la grâce, justement. Et c'est la question que nous poserons à ces enfants un peu plus tard. Voilà, j'ai débarrassé les mauvaises explications, maintenant je vais venir à la bonne, qui est la mienne, évidemment. C'est de dire, le plus intéressant, ce n'est pas la question de l'Église en tant qu'institution, ni de la société politique, mais c'est le royaume de Dieu. C'est ce que dit la parabole. Le royaume de Dieu est comme un roi qui invite, etc. Et donc, le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le royaume de Dieu, c'est la foi, le fait d'être en relation avec Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'accomplissement de sa vie. Le royaume de Dieu, c'est d'être sauvé, pourrions-nous dire. D'être heureux, d'être dans la plénitude, la paix et la joie. Le royaume de Dieu, c'est l'accomplissement de sa vie personnelle et spirituelle. La première chose, c'est que le royaume de Dieu est vu comme une fête. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Hein ? C'est que nous sommes invités à être en présence de Dieu, en présence du Christ qui est l'époux, ça d'accord, pour danser, pour discuter, pour manger, pour boire et pour être heureux. Et donc, le royaume de Dieu, ce lieu de notre vie spirituelle, n'est pas un lieu austère, c'est pas une récompense donnée à ceux qui sont bons, où il faudrait se priver de toutes les joies, mais c'est simplement une fête. Et là que l'Église, ou que notre vie spirituelle, soit comparée à une salle des fêtes, eh bien, je trouve ça formidable. C'est très bien. Et ça, il faut le comprendre pour en profiter et de penser que ce n'est pas un lieu de devoir parce qu'on a mieux à faire, mais que c'est un lieu de joie et de fête. Alors, quelles sont les conditions pour accéder à cette récompense de Dieu? Eh bien, ce n'est pas la perfection morale, parce que, effectivement, même les mauvais seront finalement invités. Alors, Dieu n'invite pas tout le monde en même temps, cela dit. Hein. Il invite quand même d'abord ceux qui sont bien. Je pense que Dieu préfère quand même que nous soyons moralement positifs et que nous ayons une vie bien cadrée. Je pense que c'est plutôt bien. Et de ce côté-là, il y a quand même dans les appelés, il n'y a pas tout à fait d'égalité. Mais on voit que finalement, il y a un renversement et que ceux qui semblaient être les meilleurs candidats pour être les bons croyants, finalement, se retrouvent tout à fait en arrière. Et ce qui compte, donc, ce n'est pas l'appartenance à la bonne religion, ce n'est pas les bonnes mœurs, la bonne moralité, mais c'est simplement d'accepter et de dire oui. La vraie condition, c'est d'accepter de venir dans la présence de Dieu et que refuser d'entrer dans la grâce de Dieu est plus grave que de ne pas faire le bien. Vous voyez, cela veut dire que les œuvres... Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, ce n'est pas notre perfection morale qui nous sauve ou la qualité de notre foi,
mais simplement le fait d'accepter de dire oui. Alors ça, c'est une explication qui plaît. Finalement, en général, on dit que Dieu nous sauve par grâce, mais qu'encore faut-il accepter cette grâce. Et c'est souvent l'image que beaucoup ont du salut aujourd'hui. Dieu offre le salut, la grâce, sa présence et sa paix à tout le monde, et que la foi, ça consiste à dire oui, simplement dire oui à la grâce et à la foi. Et c'est même très fort parce que les premiers invités, le texte nous dit que le maître ne les juge pas dignes de ce qui leur avait été offert. Et donc la dignité, voyez-vous, ce n'est pas d'être un modèle de vertu, mais la dignité, c'est d'accepter de recevoir quelque chose de l'extérieur. Et ça, je crois que ça change tout le jugement que nous pouvons avoir sur notre vie et même sur la vie des autres. Parce qu'il n'y a pas un jugement de valeur absolue sur ce que vaut l'un ou l'autre. La seule dignité, c'est de dire « Oui, Seigneur, moi, j'ai besoin de ta présence et de ta grâce ». Quant à la punition de ceux qui disent non, je ne crois pas que ce soit Dieu qui punisse, puisque je ne crois pas dans un Dieu qui punit, mais c'est pour dire une conséquence. Si on s'exclut de la grâce, eh bien, on se condamne soi-même. Et dire non à la grâce, dire non à la générosité, dire non à la bonté, dire non à l'accueil, c'est soi-même s'exclure de toute société et finalement aller dans les ténèbres. Maintenant, j'en viens au problème le plus intéressant. C'est ce serviteur qui est trouvé sans son vêtement de noces. Parce que ça semble vraiment injuste. Ce pauvre gars ramassé sur le chemin, qui n'avait pas d'habit de noces et qui finalement se fait mettre dehors, eh bien, on a tendance à dire au maître, écoute, t'auras mieux fait de pas l'inviter du tout, tant qu'à faire, si c'est pour le jeter dehors après coup. Alors ça, cela fait réfléchir beaucoup de théologiens et j'ai entendu une explication très satisfaisante. Mais vous allez voir, je ne suis pas certain qu'elle soit si bonne que ça, mais en tout cas très satisfaisante et qui, pendant de nombreuses années, m'a permis de lever tous les problèmes concernant ce serviteur avec son habit de noces. C'est qu'on m'a expliqué que, en fait, la coutume dans l'Antiquité était que c'était celui qui invitait aux noces qui offrait le vêtement de noces. C'est-à-dire qu'il y avait un vestiaire à l'entrée, si vous voulez, de la salle du banquet, et puis les gens venaient parfois de loin, et ils arrivaient avec un vêtement tout sali par le voyage dans le désert, et à ce moment-là, à l'entrée, il y avait un vestiaire, et on lui remettait l'habit de noces qui était offert par l'invitant. Alors ça change tout, parce que cela veut dire que ce brave homme, c'est pas qu'il n'avait pas les moyens de se payer un smoking, mais c'est qu'il a refusé le cadeau qui lui était fait à l'entrée, et qu'il est juste venu pour manger à l'œil. Alors ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Parce que du coup, on se rend compte qu'effectivement, c'est bien la grâce qui nous sauve. Mais néanmoins, il faut à un moment donné que nous acceptions de jouer le jeu de la grâce. C'est-à-dire endosser cette grâce comme un vêtement. Et que la grâce ne peut pas être simplement quelque chose dont on profite. Mais ça, c'est pour que cela devienne une logique de vie. Et ça, on l'a parfois reproché aux protestants. On a dit, c'est un peu facile votre salut par grâce, parce que si nous sommes sauvés par grâce, alors on peut faire n'importe quoi, puisque Dieu nous pardonne. Eh bien non, je ne crois pas. Certes, la grâce est première, et donc oui, nous sommes d'abord invités. Mais si nous ne jouons pas le jeu de cette grâce en disant « cette grâce qui me sauve, j'en fais mon propre vêtement », si nous ne jouons pas ce jeu-là, nous nous excluons nous-mêmes de la grâce. Parce qu'on ne peut pas jouer sur deux tableaux en même temps dans sa vie, si vous voulez. On ne peut pas se dire « la grâce c'est bien pour moi, mais ce n'est pas pour les autres ». Ça ne fonctionne pas sur le long terme. Et donc la grâce est offerte à tous, mais encore faut-il y rester en quelque sorte. Et pour ça, l'accepter comme un système de vie, l'accepter que cela fasse partie de notre propre existence, non pas que l'on devienne soi-même un être de grâce, mais qu'on revête la grâce. Le vêtement, c'est ce qui masque notre imperfection. Et donc l'individu lui-même reste imparfait, mais il revêt la grâce.
Et ça, c'est absolument essentiel, effectivement, d'accepter la grâce, non pas simplement parce que ça nous arrange, mais aussi de l'accepter de tout son être comme un système d'existence. Je suis d'ailleurs assez fier que dans la constitution de notre Église, l'Église protestante unie, on dit que pour faire partie de l'Église, si vous voulez signer un bulletin, voilà, vous pouvez vous inscrivez comme membre de l'association cultuelle, il n'est pas demandé ni de cotiser, ni d'être engagé, ni d'agir, ni même d'être baptisé. Mais il est dit ensuite, quiconque est membre de l'Église, eh bien, il est dit, il serait bien que cette personne s'engage, agisse, pratique et donne. Autrement dit, ce n'est pas une condition, mais c'est quelque chose qui est souhaité comme une réponse à cette grâce. Et je trouve que là, il y a une formulation qui me semble très juste. Donc voilà, j'ai résolu le problème du vêtement de noces et tout va bien. Simplement, je suis un esprit suspicieux et cette histoire de vêtements offerts, je l'ai entendue une fois, mais je ne me souviens plus d'où. Et j'ai essayé de chercher. Je me dis, mais où est la source ? Est-ce qu'il y a quelque part un texte qui nous explique que les vêtements de noces étaient offerts à l'entrée ? Je n'ai trouvé ça nulle part. Donc je me demande si celui qui m'a dit ça ne l'a pas inventé, parce que ça l'arrangeait. Peut-être que c'est vrai. Si vous trouvez la source, alors dites-la moi, parce que là, vraiment, il y a quelque chose d'essentiel. Mais en tout cas, je n'ai trouvé personne, on répète un peu cette histoire, parce que ça nous arrange, mais je n'ai trouvé personne citant sa source, ni disant d'où vient cette idée que le vêtement de noces serait offert. Et finalement, peut-être que cette explication est dommage, parce qu'elle ramollit le texte, elle le rend finalement plausible, cette explication permet d'éviter la difficulté du texte, et peut-être que justement ce qui est intéressant, c'est que le roi demande là quelque chose d'à peu près impossible à ce pauvre gars ramassé dans les chemins parce qu'il n'avait pas les moyens. Et donc je crois que ce texte a quelque chose de dur qui est absolument essentiel et justement passionnant. Alors du coup, j'ai deux autres solutions à vous proposer. L'une qui est la plus astucieuse, qui consiste à dire le gars n'est pas renvoyé parce qu'il n'avait pas de vêtements, mais parce qu'il ne répond rien quand on lui demande pourquoi. C'est-à-dire que le roi voit le type sans vêtements, il lui dit pas « tu n'as pas de vêtements dehors », il lui dit « mon ami », donc a priori il est plutôt favorable, il l'appelle « mon ami », « pourquoi n'as-tu pas de vêtements de noces ?» C'est ça la question. Et s'il le met dehors, c'est parce que le texte nous dit qu'il ne répondit rien. C'est ça la faute grave, c'est pas le vêtement, c'est de n'avoir rien dit. On a le droit d'être pécheur, mais à ce moment-là, il faut demander à Dieu pardon. La seule chose grave, c'est quand on est pécheur et qu'on ne le reconnaît pas, qu'on ne le dit pas, qu'on ne demande pas pardon. Il n'avait qu'à dire « oui, mon roi, pardon, mais tu sais, je n'avais pas les moyens ». Et il aurait dit « mais quel est le problème ? Tu es bienvenu comme tu es ». Simplement, il n'a rien répondu. Et ça, l'erreur la plus grave, c'est justement de ne rien dire, de refuser de parler, avec Dieu et de dire « je n'ai rien de commun avec lui ». Si vous n'avez rien de commun avec lui, eh bien allez dehors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? C'est la seule chose importante, c'est le contact. Et donc il faut dire à Dieu sa peine, il faut dire à Dieu son péché, sa culpabilité, tout ce que vous voulez, sa joie, ses espoirs, ses craintes, mais il faut parler. C'est le seul lien que nous ayons avec le Seigneur, c'est la parole. C'est la parole qu'il nous donne quand il nous parle par l'Évangile et c'est la parole que nous lui donnons par notre prière. Dieu ne demande rien d'autre que de rester en lien avec lui et de lui parler et de lui demander pardon, de lui dire sa joie, sa peine, tout ce que vous voulez, mais de rester en lien par la parole. Il n'y a qu'un péché dans l'Évangile, c'est le silence. Deuxième solution, c'est de voir les choses spirituellement et de dire, bien sûr, matériellement, tout le monde ne peut pas se payer de smoking, mais il s'agit d'une parabole, je vous rappelle. Et donc, la question, c'est spirituellement,
comment est-ce que moi qui suis invité dans la présence de Dieu, comment est-ce que je peux me trouver un vêtement de noces pour y rester ? C'est-à-dire, non pas un vêtement de travail, pas un habit de marche ou de randonnée, mais un habit pour être beau et pour ne rien faire. Ça m'intéresse parce que, justement, avoir un vêtement de noces, c'est être capable de revêtir certains moments de son existence du rien faire plutôt que de l'agir. Et donc, il faut ne pas avoir seulement un vêtement de travail, mais avoir aussi un vêtement beau pour faire la fête, un vêtement beau pour Dieu. Ça, c'est le commandement du sabbat. Vous savez, le commandement du sabbat dans l'Ancien Testament, c'est de dire « Il faut que tu gardes un temps dans ta semaine pour ne pas travailler, parce que sinon tu seras identifié à ton travail. » Garder un temps où justement, là, c'est plus le moment du travail, mais c'est le moment que j'offre à Dieu. Et ça, tout le monde peut le faire, quels que soient ses moyens ou ses non-moyens. Et j'aimais dans nos vieilles campagnes ce thème du paysan endimanché. C'est formidable ça. Celui qui, justement, pour aller au culte ou à la messe, se fait beau. Ça peut sembler enfantin, mais en même temps se dire dans ma vie, il faut que je trouve par moment la possibilité de garder quelque chose de beau pour Dieu et pour le meilleur, parce qu'on ne me demande pas d'être toujours beau, toujours bon, toujours parfait, toujours exceptionnel, mais il faut que dans ma vie, il y ait quelque chose qui de temps en temps m'attire vers Dieu et me donne cette dimension à la fois du non-travail et de la beauté. Voilà. Et ça, tout le monde peut le faire, parce que c'est justement ce moment que nous gardons pour le culte, pour la prière, pour la lecture de la Bible, ce moment que nous mettons à part justement pour être dans la dimension de la grâce et pas uniquement de se dire oh « ben je me fiche de toute la religion, on m'a dit que de toute façon Dieu me sauvait par grâce, donc ça tombe très bien, je reviendrai l'an prochain pour voir si c'est toujours vrai et je fais comme si ça n'impliquait rien du tout ». Il faut à un moment donné justement être capable de revêtir ce vêtement de noces. Et ce vêtement de noces qui s'oppose donc aux vêtements de marche ou aux vêtements de travail, c'est justement cette église, ce royaume où on ne fait rien, où on se repose du travail qui a été fait dans la semaine. Et le seul but, c'est de savourer la joie d'être avec Dieu et d'être dans la présence de Dieu et d'être avec les autres. Ça, c'est une nourriture fondamentale pour notre vie. C'est un lieu de ressourcement, ce lieu de l'altérité par rapport au quotidien où l'on se repose de sa peine, de son labeur et où chacun devient comme un marié ou une mariée à la noce, entouré de joie, de fête, d'amitié, de tendresse et d'amour. Vous êtes tous invités au banquet de noces. Simplement entendez cette voix de l'époux qui vous y invite et profitez pleinement de cette joie en étant un des invités membres actifs et rayonnants de ce banquet. C'est pour votre plus grande joie et la joie de tous ceux qui seront autour de vous. Amen. Nous chantons le cantique 45-10, « J'ai soif de ta présence ». 45-10.
45-10, les trois premières strophes, donc j'ai soif de ta présence. Oui, quelques annonces concernant la vie de notre paroisse. Tout d'abord, hier, j'ai eu le plaisir de célébrer dans l'église de Provins le mariage d'Olivier Benoît et Pauline de Turquem. Pauline étant une de nos paroissiennes fidèles depuis sa naissance, sans doute à peu de choses près. Nous avons aussi appris le décès de Claude Évesque, qui était un paroissien, mais qui a fini sa vie dans le midi de la France. Et le service a dû avoir lieu, je crois, vendredi dernier, c'est ça, au temple de Nîmes. Et puis, tout à l'heure, après le culte, j'aurai le plaisir d'accueillir le petit Melchior Sédou de Clausone, le fils de Tigrane et d'Erika, donc qui recevra le baptême juste après le culte à midi. Et si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Ce serait évidemment tout à fait un bonheur que la communauté en partie soit également présente dans cet instant. Et puis, il y a quelques personnes qui filment là actuellement parce que une de nos vieilles paroissiennes, Mademoiselle Costil, avait décidé de léguer ses biens à l'église, qui est une très bonne idée. Mais l'affaire devient assez compliquée. Du coup, il y a eu un article dans Le Point laissant supposer qu'il y avait des personnes mal intentionnées qui voulaient détourner l'héritage. Pas nous, heureusement. Et puis, du coup, TF1 veut s'en mêler et donc a préparé une émission pour l'été pour parler de cette affaire. Et ils ont donc demandé à ce qu'il y ait des images du temple. Si vous ne souhaitez, je leur ai demandé de faire attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les gens, bien que le temple soit un lieu public, mais je sais que ça peut être problématique. Et si vous ne souhaitez absolument pas ne pas être vu, à ce moment-là, allez voir tout à l'heure les caméramans, afin qu'ils puissent éventuellement flouter les images. Voilà. Ce commentaire, d'ailleurs, je suis désolé, mais je l'ai fait en off, puisque j'ai coupé mon micro. Voilà.
Et donc, voici maintenant autres petites annonces, pardon, c'est qu'il y a après le repas, après le culte, il y a également un repas de paroisse pour la fin de notre année, un repas partagé, certains ont amené des choses, vous êtes de toute façon bienvenus si vous voulez passer un petit moment de convivialité, c'est donc dans la salle Robert sur votre gauche, le repas de fin d'année auquel chacun est bienvenu pour quelques minutes ou plus, autant que vous voudrez. Et puis nous envisageons bientôt aussi le concert de la chorale de l'étoile avec trois psaumes de Félix Mendelssohn. Et ce sera le jeudi 28 juin, donc c'est à la fin de l'année, mais je vous l'annonce déjà, avec la chorale de l'étoile et Lisbeth Schlumberger, jeudi soir 28 juin. D'autres annonces, Florence ? Alors c'est le moment de l'offrande où nous avons effectivement besoin de votre soutien et plus que du soutien, puisque l'Église vit de ce que donnent ses fidèles pour annoncer et témoigner de la parole. Dieu aime le don joyeux. Ô notre Dieu, sois remercié pour ta vérité salutaire, pour ta parole source de lumière, de confiance, d'espérance, de paix et de vie. Accorde-nous de garder fidèlement tout cela dans nos cœurs. Que ta parole, que ta présence nous inspire, inspire nos pensées, nos désirs et nos actes. Que ton puissant amour l'emporte sur notre faiblesse. Que ton Saint-Esprit nous dirige et nous fortifie à jamais. Donne à chacun ta présence, et en particulier aux plus éprouvés, aux plus démunis. Et que ta présence soit source pour chacun d'espérance, de consolation et d'intelligence. Ô notre Dieu, sois béni pour tous les dons de ta grâce. Nous te remettons tous ceux que nous aimons, tous nos projets, nos espérances et nos craintes. Sois toujours avec nous, la source de notre vie et de notre lumière. Et nous pouvons dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Je vous invite à vous lever. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Oui, frères et sœurs, Dieu vous bénit et vous garde. Allez dans la paix, la joie et la force du Seigneur. Amen.